Salut tout le monde, et non pas c'est Dwayne Belval, pour monde qui pas de connaître, et m'a profité remercier tout le monde qui t'a réagi sous dernière vidéo que moi t'ai posté sous film ça qui assez populaire qui c'est 365 DNI. Alors aujourd'hui encore et à travers un podcast et surtout sous plusieurs demandes, moi décidé approfondi réflexion que tu fais avant sous film là qui c'est 365 DNI. Alors m'espérer n'a prendre du temps pour entendre et surtout apprécier tout fil d'idées et surtout toute réflexion que nous pral faire sous film ça. Et ce fameux film 365 DNI, ou du moins 365 jours, c'est un film que yo tiré à travers une trilogie littéraire. C'est-à-dire, c'est un film que yo fait à travers un roman de trois tomes que Blanka Lisinska a écrit, qui c'est une jeune femme de 34 ans licenciée en cosmétologie. Et que film 365 DNI, ça, c'est en quelque sorte résumé premier tome qui s'en est parti, qui dit que c'est un chef mafia italienne qui, après le téléphone prend balle, t'es fait en vision une jeune fille, et que après 5 ans, t'es venu arriver kidnapper Fissa et balle 365 jours pour le tomber amoureuse de lui. En gros, pour lui balle 365 jours pour lui développer en quelque sorte le syndrome de Stockholm. En fait, ils ont souvent comparé film 365 DNI avec 51 degrés, qui en quelque sorte similaire, mais qui gagne quelques différences qui assez considérables. En fait, pour nous parler en quelque sorte du acteur principal, qui c'est Massimo avec Laura, nous avons dit que Massimo, vrai nom, c'est Michel Mouron, qui c'est un acteur, un chanteur et surtout mannequin. Et Laura lui-même, de vrai nom, qui c'est Anna Maria Sieklouka, qui c'est une chanteuse aussi et surtout un acteur. Mais on essaie de mettre accent sur le syndrome de Stockholm. Songez, j'ai parlé de lui dans la première vidéo. C'est par exemple un bandit qui kidnappe un monde et que monde ça après le film fait plusieurs temps séquestré. Monde ça a commencé à exprimer de l'empathie et à l'égard de bandit ça. Soit il commence à remettre, ou du moins il commence à apprécier, ou bien les vins amis, etc. En fait, et syndrome de Stockholm, yo découvert le 23 août 1973. C'est à Stockholm, même j'en ai dit. C'est côté que yon bandit a fait un hold-up dans l'entreprise et que il était obligé de prendre en otage. Après la police a fait plusieurs interventions pour yon entrer, yo pas capable. Leur ici entrer, leur y a arrêté bandit. Yo ouais que moun sa yo que yo t'es séquestré yo a embrassé bandit. Cap dit bandit au revoir, etc. C'est-à-dire, moun sa yo, ti tan que vous faites séquestrer, vous avez développé le syndrome de Stockholm. Mais yon pas qui est important, c'est que il y a deux facteurs qui sont importants dans la question du syndrome de Stockholm. Qui s'allient? C'est premièrement un facteur de temps. C'est-à-dire que c'est à travers une période de temps que moun nan vin développer le syndrome de Stockholm. Et là, on a regardé dans 365 BNI, 365 jours, li nettement suffisant pour un monde développer le syndrome de Stockholm. Mais il y a une bagaille qui a causé encore, c'est la cause, ou du moins son raison logique. Par exemple, bandit, on commence à expliquer pour qui ça le fait ça, et on commence à ouais, bandit, on a raison. En pour exemple de Haïti, par exemple, un bandit arrête, ou du moins son bandit kidnappe, là, le mettons en côté, et que bandit, ça commence à expliquer, c'est problème la vie qui fait ça, c'est problème la vie qui fait la kidnapper, c'est problème la vie qui fait la voler. Eh bien, là, on commence à dire tout, c'est vrai, oui. Là, on commençait à comprendre bandit. C'est-à-dire, là, vrai, on commençait à développer ça qui est le syndrome de Stockholm. Mais qu'on y a, on essaie, ouais, vie mounio, c'est pas. Pour nous, qui est quatre films, là, on apprend que depuis le début du film, on peut montrer Laura séparément et on montre Massimo séparément. Et là, on regarde à travers la relation, ça que Laura a été réalisée, pas à l'aise. D'ailleurs, si on suit bien, on apprend que à un instant, à un moment, Laura rentre dans la chambre avec un sextoy pour quelque chose à masturber. Et que Massimo, lui-même, sous Bopal, il est très obsédé dans chercher Laura parce que le film fait une vision, il a besoin de Laura. Et c'est le ça
et kidnapping nan pral mete pye, côté que li kidnappé et que li commencé agresser en quelque sorte jusqu'à ce que li commencé à expliquer raison qui fait le kidnapping. Mais une chose qui est important, c'est que Massimo lui-même, en parlant de Mouron, de son vrai nom, lui promet à Laura que lui pas manyen sans consentement. Bon, un bagage qui pas respecté, parce que à maintes reprises et acteur a il y a manyen Laura la en quelque sorte agressé sexuellement. Et une autre bagage pour nous, c'est la question du luxe. À part de violence que Massimo a fait sur Laura, et à part de promesses qu'il a fait qu'il pas respecté, nous voyons que il y a une question de luxe qui joue. Massimo grand pile corps et Massimo beau garçon, c'est à dire que en gros pas vraiment il y a rien de rien qui jouait en faveur Massimo pour dire que la séduit. C'est à dire c'est juste l'a exhibé col pour attirer Laura et tout l'a exposé luxe, tout luxe que lui. Mais il y a un bagage qui censé très très important dans le film là, c'est côté que l'a incité Laura au sexe. D'ailleurs pour monde qui regarde film là encore, après côté que il était attaché Laura et que lui en quelque sorte entrer en acte sexuel, pas littéralement, avec une autre fille, juste pour l'inciter Laura à faire sexe ensemble. C'est-à-dire que devant Laura, bon, l'autre fille qui vient, et puis cap, même j'ai dit, l'en fait baiser noir. Je pense que ça, c'est un acte qui permet de nous voir que lui-même personnellement, il pas prend li pa pren fille. Bon. Et une déduction que nous avons fait, nous avons dit que li te besoin Laura juste à des fins sexuelles. Et parce que immédiatement le fini citer Laura au sexe, yo fin faire sexe, ou après ces verbes ça qui censé conjuguer tout au long du film. C'est-à-dire depuis le kidnapping en fait là, c'est presque un seul bagaille Massimo a essayé inciter Laura pour entrer en acte sexuel ensemble. C'est-à-dire que l'objectif, on parle de bagaille, c'est joindre Laura et puis faire sexe ensemble avec elle. Maintenant, c'est une raison qui fait que on dit que le film n'a pas une histoire qui construit autour de lui. C'est parce que, premièrement, immédiatement que Laura lui-même les vient, soit acceptée et livrée ensemble avec l'acteur, bagaille vient. Yo vin tourner autour d'un seul bagage qui c'est sexe. D'ailleurs, depuis le commencement du film, tout bagage yo fait facilement, kidnapping en fait facile et Laura li affiché le syndrome de Stockholm non tant ou quoi. D'ailleurs, presque dans moins que 2 mois, Laura gata tombé amoureux de Massimo pendant que lui-même était bah 12 mois. Je pense que ça s'est fait facile et d'ailleurs dans le film là pas vraiment bon roman Jean Mouno a stylé là, c'est plus les beaux garçons, les grands pile cob et puis ça joue en faveur parce que dans pile violence, c'est en pile violence surtout en pile violence sur là. Malgré n'a stipulé que Massimo et Laura on a dit d'une manière sexuelle ou sous même longueur d'onde. Parce que je me dis, c'est que tous les deux, c'est des sadomasochistes. En quelque sorte, c'est-à-dire, les gens qui aiment le un acte sexuel pour soit peser, bailler au cou, etc. Avant tout, tout le genre de bailler. C'est-à-dire, même depuis le début du film, on a regardé, on a pu voir que Laura lui-même, il était un manque sexuel. Et que Massimo lui-même, qui était sans son monde, qui obsédé dans ça. Youn vin en quelque sorte compléter l'autre. On t'a dit c'est une raison qui fait ça marcher entre eux. Mais en gros pas vraiment une construction, pas vraiment une histoire qui construit autour du film. Maintenant on vient comprendre totalement les raisons qui fait mon yo t'a courir des films là comme ça, surtout mes amis. On pense que c'est
c'est un parce que il y a des actes sexuels qui clair la donne et surtout par incompréhension parce que dans le film là il exposé toute violence ou du moins il exposé majorité violence sexuelle et surtout d'abord avec ça qui était fait dans l'avion à côté que acteur ali même était bon on a dit c'est pas de plein c'est pas vraiment de plein gré que hôtesse de l'air là était fait baiser noir là c'est étant donné que c'est avion privé c'est lui qui embauche elle sur lui passer supériorité et que lui fait fiant faire un bagarre font bagarre pour lui c'est à dire là encore c'est du viol mais logiquement mounio sans ces paroles comme ça bien peut-être un capable de film non du moins moun qui t'a couru de lieu yo ouais c'était rien pendant que c'est un viol et surtout toute violence que il t'a fait sous l'oreille c'est deux bagarres qui montrait que yo lui même personnellement il prend l'aura comme un objet ou du moins il prend comme chose en quelque sorte mais moun k ap gade film nan ou du moins mesdames qui t'a fait et tout étalage ça de film nan bien peut-être pas vraiment ouais aspect ça pas vraiment ouais aspect ça de film et même j'aime souvent dire yo pas souvent faire film seulement pour le plaisir parce que à travers un film il y a un pile bagaille que yo ka fait passer à travers film d'ailleurs si n'a regardé gain plusieurs films qui parlent de questions racisme et le plus souvent ou après que c'est des noirs qui a occupé soit qu'a fait vieux job ou qu'a occupé vieux poste et que à la fin yo vinn faire révolution etc. Ou du moins c'est des films côté que montre noir il pas jamais rien ou du moins se montre infériorité noire c'est-à-dire que à travers film yo gain des bagages qui dégagent et deux exemples moi même prend qui très important c'est plus sous question homosexualité et à l'époque homosexualité pas tombé qui était en vogue comme ça mais qui ça au fait yo commencé prendre nous à travers des films c'est-à-dire que yo montre un acte homosexuel en première fois so on va dégoûter bien sûr il y a montre une deuxième fois on va dégoûter un peu troisième fois bon il pas trop bon problème une quatrième fois une cinquième fois il pas trop problème même c'est-à-dire que à travers des films yo fait des impacts psychosociaux sur et même tout m'a capon l'autre exemple qui c'est les positions dans le sexe bon si n'a besoin de parler de grand monde longtemps yo qui les a fait sexe yo fait tout long mais jeune yo même yo gain des poses que yo prend etc des positions sexuelles mais kounya là ou pas jamais poser tête aux questions côté ça au sorti pour qui ça longtemps yo te compte faire long gens et que kounya au fait c'est surtout à travers la pornographie longtemps pas quoi grand monde yo t'est adonné à la pornographie c'est-à-dire là yo t'est gain des positions qui bon, logiquement des positions qui pas sont compliquées vous comprenez. Mais qu'on y a à travers la pornographie qui c'est des coups des longs métrages pornographiques qui obèrent nous n'en consommer nous commencer à intégrer dans notre réalité sexuelle c'est à dire que immédiatement nous finissons la pornographie à nous et peut-être nous laisser pour ça nous essayer nous et puis nous venons intégrer totalement c'est ça que fait n'a pas que longtemps il n'y a pas de confet même genre et même genre tout avec une question de tape. D'après les dires, il y a un pile fils qui pas baillé, tape qui pas senti à l'aise. Mais même ça tout c'est de là c'est sorti. Bon, il sorti dans la culture pornographique là en quelque sorte. D'ailleurs, est-ce que longtemps vous ca dit que grand monde était connait même fait pratique ça, baillé tape etc., puis dire genre de base. Non, c'est à travers la pornographie que nous-mêmes et nouvelle génération nous vienne prendre. C'est-à-dire que film yo en soi film yo pas innocent. Film yo gain gros impact psychosocial sur nous. C'est-à-dire film yo ka changer en pile bagay. Film yo ka orienter nous. Parce que lò ap gade un ti moun ka gade un film Spider-Man ou du moins ka gade un film super-héros, film ça li ka faire en pile impact surtout bon. Disons que il ka faire en pile impact positif sur ti moun. Tout comme ça il ka faire des impacts négatifs sur ti moun. Bien peut-être dans le film Superman ti moun ka met dans tête li pa gen limite li ka fè n'importe bagay etc. ça c'est quelque chose de positif mais tout ti moun ka pense c'est super héros tout y est tout là voler non là voler non vide
et que les fractures, etc. C'est-à-dire c'est tout ça qui a fait impact sur. Même genre question pornographie en ligne des impacts sur vie sexuelle nous en quelque sorte. On filme tout qu'a présenté en violence des violences sexuelles ou du moins qu'a présenté et on ces genres de violences sur filles ou du moins qu'a présenté filles au niveau qui totalement inférieur et qu'a grand pile impact sur société là. Parce que imagine toi yon moi même en tant que garçon qu'a regardé un film de ce genre qui ça m'a mis dans tête moi tout maintenant tête moi que waouh. Mon ka avec l'argent, si mon beau garçon gagne l'argent, so mon ka choisi fion fi. Mon ka fait fi en tout non chose ou du moins mon ka fait semblant ensemble avec fi. Ou du moins tout bon, pas y a aucun problème pour utiliser fi ou du moins pour me faire semblant fi. Pour qui ça parce que yo ban nous à travers des films. Et yon nan bagay nou ka met accent sur lui c'est que pour moun ki gade film nan encore le Laura ou du moins les on l'autre monsieur t'a harcelé Laura qui s'aurait passé les monsieur a nandé Laura Massimo vient paraît lire les âmes ça c'est pas rien ça veut dire même action monsieur a t'a fait c'est même action ça Massimo t'a pédé fait le il t'a kidnappé Laura mais qui s'est passé il pas voulu l'autre monde faire Laura ça possession c'est-à-dire il possède Laura c'est celle qui a harcelé Laura c'est celle qui a manié Laura l'autre monde pas gain droit faire c'est-à-dire que fille lui-même d'après réflexion Laura vinn converti en possession c'est-à-dire que Massimo possède Laura il pas en sorte considérer comme une fille bon dans le bon sens du terme mais le considérer comme une chose d'ailleurs même j'aime t'ab dire film nan tourné autour de sexe seulement à chaque fois c'est du sexe même genre on commentateur français dit c'est du cul seulement du cul tout au long du film c'est-à-dire que dans ce film on pas ouais aucun plaisir que on fit qu'à tirer de lui parce que logiquement on tire plaisir dans des bagages qui arrangent dans des bagages qui font plaisir même pas quoi que film ça ou du moins des violences sexuelles que a fait sous fin un film ça qu'a fait on fait plaisir et d'ailleurs raison qui fait bien avant me te dit que mesdames yo prend plaisir là-dedans mesdames yo a fait étalage de film là c'est par incompréhension et surtout dans pile bagages nous fait surtout les femmes haïtiennes nous fait par incompréhension. Par exemple, danser des musiques qui dégradent nous. Et nous faisons partie de la société, nous avons une musique. Par exemple, une musique à l'époque, fait Wana Maché. Fait Wana Maché, c'est une musique qui dégrade, qui chosifie la femme totalement. Mais que, en pile, mesdames, c'est lié à danser. Et d'ailleurs, pour ne pas trop exagérer, c'est mesdames qui dansent le plus. Et surtout, l'autre musique qui fait que artiste qui les Trouble Boy fait, qui c'est. Femme ça autant comme moto à dire que encore yo chosifier nous c'est femme ça autant comme moto passer pio pour monter yo en quelque sorte c'est à dire que film ça li pas trop différent de musique ça qui a dégradé la femme qui a chosifier la femme en fait c'est position ça que m'te gagné et de film ça qui c'est 365 DNI. M'pa gen aucun problème à ce que on moun met kobli de yo ou du moins on moun investi tant on moun gen caméra li fè un film ça n'a aucun problème tout moun gen liberté pour faire film mais youn nan bagay ki souvent intrigue m c'est que film ça que moun n'a fait ou du moins moun kap consommer film ça la promo ton film qui a dégradé le totalement et c'est là le plus grand problème avec film ça qui c'est 365 DNI. Alors, on pensait que en gros c'est ça parce que on était contre film là parce que en fait pas contre totalement mais on était contre réaction mesdames yo par rapport avec film ça parce que et on t'a regardé c'est parce que on était tellement fait tout lié avec pédé parler de lui on t'a regardé mais l'homme réaliser que mesdames yo ça fait tout ça c'est par incompréhension. Ou du moins yo pas vraiment ouais parti critique ça qui ou du moins yo pas vraiment ouais parti ça ou pas gain assez esprit critique ou du moins yo pas éveillé l'esprit yo assez pour yo té ouais qui message qui passait dans film. M'pense que réflexion ça yo y a
assez utile nous, bien peut-être à l'avenir, parce que a toujours gain film qui a dégradé la femme, a toujours gain film qui a I mean, chosifie la femme. Mais qu'on y a, c'est travail là, c'est nous-mêmes qui pour connaître et qui ça n'a promote en tant que film, parce que ou du moins qui ça n'a gardé, qui ça n'a et qui ça n'a soit affiché, ou du moins qui ça n'a pris plaisir là-dedans en tant que film, parce que même j'aime dire, y a pas souvent fait film pour plaisir. Et le plus souvent, ils font film pour passer des messages. Et film ça qui est les 365 derniers, bah ouais, les gars, rien de sérieux là-dedans pour un fit t'as fait folie pour lui. D'ailleurs, c'est un film, on pourrait dire encore, qui chosifie la femme, qui dégrade la femme. Et de au chef, m'espérer que tes réflexions ça a été utile nous. Et surtout pas oublier si vous faites venir sur channel là, abonnez. Et surtout, like, partager, réflexion ensemble avec nos amis, et me penser ça qui a fait gros impact.